Frères et sœurs dans le Seigneur, téléspectateurs et téléspectatrices, que la grâce du Christ ressuscité vous soit donnée en abondance. Nous vous saluons encore une fois fraternellement. Nous sommes à vous pour parler un peu de Dieu et après quoi prier avec vous. Nous croyons que vous êtes très nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre et de nous regarder. Restez toujours ensemble avec nous, câblés jusqu'à la fin. Vous n'allez pas regretter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu est notre bon Père. Nous voulons te dire merci. Merci encore une fois pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la vie que tu nous as donnée. La santé que tu nous as donnée. La paix intérieure. La sécurité. La protection. La nourriture. Le vêtement. Et tout. Reçois la gloire. C'est toi qui le fais. Toi seul. Que ton nom soit loué. Nous voulons élever ton nom. Tout ce que tu es. Et tout ce que tu fais. Nous sommes encore là, Seigneur. Pour parler de toi. À tout ce qui nous suit. Nous prions. Que les écluses des cieux soient ouverts. Au-dessus de nous. Et que la puissance de ton esprit. Descende sur nous. Descende en nous. Et sois avec nous. Pour que Seigneur, pour que ce soit au moment de la prédication, au moment des prières, que ton onction soit avec nous. Et que l'onction de ton esprit nous oriente. Et que tous ceux qui vont nous regarder, tous ceux qui vont nous suivre, puissent en tirer profit. Que
ta bénédiction les atteignent. Que ta grâce les atteigne. Au nom de Jésus. Le Jésus Christ soit élevé. Sois exacté. Nous te le demandons. Dans le nom de Christ. La photo Jésus. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons lire dans 1 Chronique, le chapitre 4. Le verset 10. 1 Chronique 4. Verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Aye, Jabez, yo Israël, pema oula blobena, ne eiram. Aye, ekeke nye anigba de nou. Wo asino klim. Aye, ne de jokbo voda. Alebe, vevia de keme jode dinye ola. Tete, mau nanu si obiala vame. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa toute-puissante parole. Nous proposons comme titre à cette exhortation Jabez et les chemins de sa bénédiction. Amen. Amen. Jabez et les chemins de sa bénédiction. Beaucoup de chrétiens ont cru à un évangile qui n'a pas de fondement. Christo togedo khonya nyua de jiseike gomedo pemelineo. Beaucoup de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu ont cru à un évangile qui n'a pas de fondement. Maupe nyagbolao maupe egbefa de lao pe Christo to kho yo kho mauji se khonya nyua de jise ike gomedo pemelina o. Mais nous vonamia oya. Nous croyons à un évangile qui a de fondement. Et cet évangile que nous croyons est basé sur une seule personne, c'est-à-dire la personne de Christ. Le Christ ressuscité qui est le consommateur de notre foi. Christ, il faut que qui est l'initiateur de la foi. Et quand on parle de la foi chrétienne, ça veut dire que cette foi est basée sur une personne. La personne de Christ. C'est pourquoi on parle de la foi chrétienne. Nous faisons foi à cette personne. Et c'est à lui seul nous faisons allégeance. Nous croyons en son évangile. Précisément. Alléluia. Le chrétien Christotoa. Ou l'être humain doit désirer de bonnes choses. Ne nous trompons pas. Et ne soyons pas non plus hypocrites. On ne peut pas aimer une chose et la haïr. Ça ne peut pas exister comme ça. L'être humain, le chrétien, doit désirer de bonnes choses. Et nous savons tous, bien aimés, que les bonnes choses viennent de Dieu. Dieu ne donne pas de mauvaises choses. Mais il donne de bonnes choses. Nous devons chercher l'amélioration de nos conditions de vie. Le monde change. Et l'être humain doit changer. Nous ne changeons pas comme le monde. Mais nous changeons pour influencer le monde.
qui a me dit pas l'influencer négativement mais l'influencer positivement. Mais même yawo doro qui a me dit là a pas sa gadi over et gonyé tomber. Nous devons changer de la bonne manière. Elle même mia trop le gonyé tomber. Chercher à améliorer nos conditions de vie. A dit même mia pas benono ne nyou chercher à aller de l'avant. Mia dit même mia incombe. C'est ça qui doit être notre slogan de tous les jours. Aya dola nyem ya ben que ça que peut nous mais à daganya. Et si vous n'êtes pas comme ça, aya na mi mala na na wa. Vous allez évoluer dans la médiocrité. C'est ce que nous voyons dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. La médiocrité doit être bannie. Nous devons aller à l'excellence. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu excellent. Il doit désirer l'amélioration de tes conditions de vie. La manière dont tu as vécu hier, ce n'est pas la même manière où tu vas vivre encore aujourd'hui. Ça doit changer. Changer pour le bien. Hier, tu étais en bas. Mais aujourd'hui, tu dois être en haut. Et le lendemain, il faut que tu sois plus haut. C'est la volonté de Dieu. Et celui qui ne croit pas à ça, nous le disons que c'est un hypocrite. Et c'est un séducteur. Il va vous tromper. Ne le suivez pas. Nous suivons le Christ. Il y a beaucoup de Christ. Hein? Il a bas Jésus aussi. Nous nous croyons au Christ ressuscité. L'homme de Nazareth. Nazareth, là. Le fils unique du Dieu. Maoupa Koko qui est ressuscité de la tombe. C'est en lui nous croyons. Jabez a prié. Jabez donc Beda. Nous allons voir les quelques aspects de sa prière et après quoi prier pour lui. Ce que Jabez a dit ici, c'est une prière qu'il a dite à Dieu. Et sa prière est composée de quatre grandes parties. Vous savez, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, et que vous savez prier, vous serez exaucé aussi. Ça ne vaut pas la peine de dire beaucoup de choses. Même si vous allez dire beaucoup de choses, il faut que Dieu sache ce que vous êtes en train de lui dire. Jabez a prié. Parce que l'Écriture déclare qu'il était considéré plus que ses frères. À cause de sa prière, Dieu l'a élevé et il est différent des autres. Et l'Écriture a attesté sur sa vie en disant qu'il était plus considéré que ses frères. Mais nous voyons sa naissance. Sa maman a souffert avant de l'enfanter. Elle a souffert de la douleur de l'enfantement. Avant de l'enfant. Mais cela n'a pas eu de répétition sur la vie de Jabez. Quand il a grandi et il a appris l'histoire de sa naissance, il a pris une seule décision. Je dois changer. Ma vie doit changer. Je dois évoluer. Mon nom ne doit pas avoir de répétition sur ma vie. Oui, la signification de mon nom ne doit rien à voir avec mon évolution. Il est vrai que ma mère a souffert avant de me mettre au monde. Et j'ai souffert de mon enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand, ça doit changer. Jabez a eu connaissance de cela. Et Dieu l'a écouté. Tu dois connaître ton histoire. L'histoire de ta famille. L'histoire de ta vie. Et tu dois te lever pour te dire si ça n'est ainsi avec moi, ça doit changer. Et ça doit changer. Ça changera. Parce que quand tu décides, Dieu va décider avec toi. Mais c'est lorsque tu vas rester sans rien faire, les choses n'évolueront pas. La première partie de la prière de Jabez, il dit premièrement, si tu me bénis, praise the Lord. La Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant,
Aïe, yabez, yo Israël, pe ma ou la globena. Invoquer Dieu, c'est prier Dieu. Aïe, ma ou en yabez, dok brana ma ou. Invoquer Dieu, c'est demander à Dieu. Aïe, ma ou en yabez, abianou ma ou. Je vais invoquer le Dieu d'Israël. Aïe, yabez, yo Israël, pe ma ou la. En disant. Aïe, yo globena. Le Dieu de ses pères. Aïe, fofo n'y a pas ma ou. Il a appelé le Dieu, invoqué le Dieu de ses pères. Aïe, fofo a pas ma ou. Il connaît aussi ce Dieu. Aïe, n'y a ma ou ma. Et il a invoqué. Il a prié Dieu. Et il a dit, si tu me bénis, c'est ça la première partie de sa prière. Éternel Dieu, si tu me bénis, ça c'est Jabez qui parle. Vous voyez, il a désiré premièrement la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Longtemps la fête la main. La bénédiction. Ya ira. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que tes enfants soient bénis. Mais ye vionne ho ya ira. Tu dois être béni. Elle est belle ya ira. Dans tes entreprises. Le wasi nous donne wa dans ton projet. Dans ton travail. Ou le haut dans tout ce que ta main trouve à faire. Le nouyo kata wasi po a wokola. Tu dois être béni. Elle la po ya ira. Personne ne travaille pour moi. Amérique me wa adobe ya tiemo. Personne ne travaille pour compter les doigts. Amérique me wa adobe avant l'aller. Personne ne travaille parce qu'il faut travailler. Amérique me le don la bobo no don. On ne dépense pas son énergie en vain. On met zana me pense na ya me. Mais quand l'énergie est dépensée. Non non zanu sien. C'est pour un but. C'est pour recevoir quelque chose. C'est pour prendre quelque chose. Et ça doit être notre mentalité. La bénédiction dans les entreprises, dans le travail, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Et la parole de Dieu déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que la richesse, qu'est-ce que oui, la richesse. Que sinon nous, ça vient de Dieu. Et toi, ma c'est Dieu qui est riche. Ma nana me ozoa, quand Dieu vous bénit, vous serez enrichi. Ah, mi et si vous êtes enrichi, vous allez prospérer. C'est ça la volonté de Dieu. Pour tous ses enfants. Pour ne pas dire pour toute l'humanité. Parce que c'est dans le travail que Dieu va bénir. C'est dans le travail. Que tu vas prospérer. C'est dans les activités que tu verras Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons désirer la bénédiction. Nous sommes sur la terre. Et si Dieu nous a mis sur la terre, il a un objectif. Pourquoi après avoir reçu Jésus, nous ne sommes pas partis au ciel en même temps. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Et Dieu veut que notre vécu ici bas soit un exemple pour les autres en tant que chrétiens. Pas uniquement dans le domaine spirituel. Ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit et tu sais déplacer les montagnes. Ce n'est pas ça seulement Dieu veut pour toi. Ce n'est pas parce que tu es chrétien pour chasser uniquement les démons et ça s'arrête là-bas. Après avoir chassé les démons, après avoir émergé dans le domaine spirituel, il faut que dans le domaine physique, dans ton travail, que tu prospères aussi à tous égards. Amen. Elle est belle, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Et vous devez désirer cela. C'est très important. Si tu es encore sur la terre, c'est que Dieu a un but pour ta vie. Tu dois posséder les choses de la terre aussi. Elles sont nécessaires pour ta marche avec Dieu. Sinon, tu seras à l'église. À notre church. Et quand on va dire, nous allons cotiser. Mais tu vas commencer à baisser la tête. Parce que quand les gens vont commencer à partir un à un. Et que toi tu restes seul. Ce dimanche. L'autre dimanche. Considère mais
Mais est-ce que tu peux résister? D'ailleurs, attends-nous, disons-nous la vérité. Nous sommes pas des hypocrites. Oui, le ciel existe. Dis-poli. Et quand Jésus revient, tous ceux qui ont Christ en eux, tous ceux qui croient en Jésus, la Bible a dit, c'est pas la foi. Nous sommes sauvés. La foi en qui? En Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu. Alors quand Christ revient, tous ceux qui croient en lui seront sauvés pour vivre éternellement avec lui. Au ciel. Mais pendant que nous sommes sur la terre, et que le Christ n'est pas encore nous devons travailler. Chercher le bonheur. Chercher la bénédiction. Chercher la prospérité. Chercher la richesse. Ces choses sont importantes. Nous ne disons pas. Quelles sont les premières choses? La première, c'est le royaume de Dieu. Mais la seconde chose, c'est le matériel. C'est la bénédiction. C'est la prospérité. Et lorsque vous êtes là, et que vous ne voulez rien faire, vous sacrifiez des choses pour vous, vous aurez des moments difficiles. Et vous n'aurez pas de quoi satisfaire à vos besoins. Que Dieu ouvre mentalement. Nous ne serons pas des hypocrites. On ne peut pas aimer une chose et la haïr. Le ciel existe. C'est là que nous irons. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous devons travailler. Nous devons travailler. Qui sera béni. Mais le chrétien qui dit qu'il est rempli de Saint-Esprit, il dit non, ce sont les choses de la terre. On va quitter, on va les laisser. Il va bâcler le travail. Et quand tu vas lui demander pourquoi, il n'aura pas de quoi à te dire. Il n'a pas une raison. Mais dans les coulisses, tu vas l'entendre. On va quitter toutes ces choses. Pourquoi est-ce que tu connais le nombre de tes années que tu feras sur la terre? Peut-être que tu vas vieillir. Tu comprendras que c'est dans la jeunesse qu'on amasse. Et quand on devient vieux, et c'est en ce moment mange. Si tu n'as rien amassé, ne me bois-nous d'ailleurs. Pendant les temps de vieillesse, tu vas souffler, tu vas manger. Écoute bien, nous sommes arrivés dans un monde où c'est ceux qui peuvent. Chacun pour soi. Alors tu dois lutter pour toi. N'attends rien de quelqu'un. Il a de sa profite. Oui, il a de sa profite. Ils sont comme des vers de terre. Ils vivent aux dépens des autres. Vous les attendez, vous allez les attendre. Non, tout ça là, c'est les choses de la terre. On ne va pas souffrir comme ça. Mais ils se promènent. Vous demandez. Pourquoi c'est les choses de la terre, tu demandes encore de l'argent? L'argent que tu demandes là, c'est l'argent du ciel. Comme tu dis que c'est les choses terrestres, il ne veut pas demander. Tu vas voir. Oui, c'est des hypocrites. Ne me les suivez pas. Ne les suivez pas. La médiocrité doit finir. L'appareil doit finir. Le chrétien doit se mettre à travailler. Le chrétien doit se lever. Pour influencer son entourage. Pour tracter son entourage. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il doit changer de mentalité. Vous savez, tout se réjouit sur la mentalité. Quand la mentalité change, toute la vie change. Alléluia. Amen. Toute la vie change. La
vie est révolutionnaire. Les choses changent. Mais quand la mentalité n'est pas changée, tout ne change pas. Que Dieu nous fasse grâce. La deuxième chose, j'avais dit que tu étendes mes limites. C'est ça ce que tu dois désirer. Là où tu es aujourd'hui. Là où tu es. Cherche à aller de l'avant. Oui. Cherche à grandir ton atelier. Ton atelier là. Il faut l'agrandir. Dieu. Dieu de mes pères. Étends mes limites. Elle doit être ta pensée. Là où tu travailles, il faut l'élargir. Que ta boutique soit élargie. C'est ça la vision. Oui, ne sois pas là-bas pour dire ça suffisamment. Parce que tu es sous de bénédiction. Pour les autres. Pas pour toi seul. Jésus a appelé. Pour qu'à travers toi, son œuvre aille de l'avant. Son œuvre se développe. Avec quoi tu vas développer l'œuvre de Dieu? Les saintes écritures déclarent que c'est avec de l'argent qu'on fait tout sur la terre. Cherchez à étendre vos limites, les chrétiens. Chrétiens, cherchez à étendre vos limites. Le peu de temps que Dieu t'a donné à faire sur la terre. Il faut valoriser ce temps. Étendre tes limites. Pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Partout où tu es. À tout lieu où tu es. Et Dieu te bénira. Et tu seras récompensé. Que vos limites soient étendues au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu. Que personne ne vous trompe. Vous allez comprendre que ceux qui vous disent ça, eux-mêmes ont déjà tout. Eux ne cherchez pas les choses de la terre. Il faut chercher les choses spirituelles. Observez-les. Ils ont tout. Et si tu crois à ça, tu comprendras. Mais nous, Dieu nous a mandaté. Il nous a mandaté. Je t'avertis. Que tu dois te lever. Pour étendre tes limites. Ne te contente pas de la place où tu es. Tu peux faire mieux. Tu peux aller encore de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais vous savez, c'est aussi un livre de motivation. Oui. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais c'est aussi un livre de motivation. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous serez motivé. À mieux faire. À bien faire. À travailler, à verser la sueur. La Bible m'a dit ça. Bible que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Cesse de te promener pour commander. Cherche de calculer la fin des cultes des églises. Cesse de faire tes calculs. Travaille. Travaille. La nuit va venir. Exact bona. Où tu ne peux pas travailler. La nuit, c'est la vieillesse. La nuit, c'est le moment où le corps ne répond plus. Mais le corps va manger. Pendant qu'il est jour. Qui est la fin. Où c'est la force. La vigueur. Essaye de te promener. Fils des églises. Dans calculer la fin des églises. Et venir commander. Et tu es trompé les gens. Que toi, si tu es membre de l'église, pour qu'on te cherche quelque chose. Tu peux travailler. Tu peux changer ton histoire. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ça. J'avais dit, Seigneur, et ta main limite. Alléluia. Amen.
maintenant. Que Dieu est à nos limites. Mais on est que vient pas les pour Dieu. Que Dieu est à nos limites. Mais on est que vient pas les pour Dieu. Dans le ministère. Elle a gagné le souvent. Souvent dans le ministère. Que vient pas les pour Dieu. Dans le séculier. Elle a gagné les codes de nous. Que nous faisons pour ajouter le ministère. Que Dieu est à nos limites. Que Dieu est à nos limites. Que Dieu est à nos limites. Mais on est que nous y a qu'à appeler le nom de Jésus-Christ. Selon sa parole. Les peignes à la nous. Qu'il est à nos limites. Que vient pas les pour que le ministère grandisse. Elle a bien souvent donné. Que dans le séculier aussi. Dans nos entreprises. Que nos limites s'étendent. Au nom de Jésus-Christ. Et la troisième chose. Si ta main est avec moi. Ne voici les dieux. Oh, j'aime Jabez. Mais le Jabez peut y avoir prié. C'est un bon chrétien. C'est un bon enfant de Dieu. Il a compris. Et c'est sans la main de Dieu. Ben, mais nous pas si Manuel, mais. C'est pourquoi si tu es sans Jésus, tu vas attraper le vent. Alaya. C'est pourquoi nous t'invitons. Nous m'attendons à venir donner ta vie à Christ. Mais n'a pas à Christ. Pour que la main de Dieu soit avec toi. La main de Dieu soit dans ton travail. La main de Dieu soit dans ta vie. La main de Dieu te protège. Que la main de Dieu te garde. Oh, alléluia. Amen. Oui, si ta main est avec moi, nous avons besoin de la main de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous pourrons rien. La main de Dieu va nous fortifier. La main de Dieu va nous encourager. La main de Dieu va nous propulser vers le l'avant. La main de Dieu va nous bénir. La main de Dieu va changer notre vie. La main de Dieu va changer notre histoire. La main de Dieu va apporter le changement dans notre travail. Que cela soit ainsi pour toi. C'est ça, c'est accompli dans la vie de Jabez. Que cela soit accompli aussi dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Et la quatrième partie. Et la dernière partie. Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, préserver du malheur. Bien-aimé dans le Seigneur. Frère et soeur, il est le malheur. Le malheur est parti. Mais la seule personne qui peut nous préserver, c'est Dieu. Jabez a demandé ça. Si tu me préserves du mal, si tu enlèves le malheur sur mon chemin, oui, c'est Dieu seul qui le fait. Seigneur, préserve ses enfants des malheurs. Et il a dit, pour finir, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Oui. Qui aime la souffrance? Mais quel on la veut? Alléluia. Qui aime la souffrance? Mais quel on la fout? Jabez a dit, je ne veux pas vivre dans la souffrance. Seigneur, préserve-moi du malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Qui aime la souffrance? Mais quand on a veuve, c'est. Non. La souffrance, veuve, c'est une mauvaise chose. Nous badaye. Qu'on ne doit pas aimer. Dieu peut permettre la souffrance. Pour les chrétiens. Et pour le former. D'une manière ou d'une autre. Mais nous n'aimons pas la souffrance. L'expression que la Bible a employée, c'est que le chrétien supporte la souffrance. Merci. Il supporte la souffrance. Mais s'il n'aime pas la souffrance, si toi tu aimes la souffrance, tu es malade. C'est une maladie. Tu dois être dépossédé de cette mentalité. Cette mentalité-là. Soussouya, voilà. Alléluia. Tu dois être dépossédé de cela. Au-delà des soucis. Comment tu vas aimer la souffrance? Tu dis non. Moi je sais que je suis un homme de souffrance. Je sais que dans notre famille, nous sommes habitués à la souffrance. Je suis une femme de souffrance. C'est dans la souffrance qu'on m'a mis. Je suis né dans la souffrance. J'ai grandi dans la souffrance. Je vais mourir dans la souffrance. Non. Un chrétien ne parle pas comme ça. Tu peux être né dans la souffrance.
Dieu le fou pépé. Mais après, voit mes bères. Attends le fou pépé. Que ton histoire change. Aïe, on tient à toi. Jabez a dit. Jabez, bro. Éloigne de moi le malheur. Ils sont assis, les
se lever. Je désire de changer les choses. Je désire d'aller vers la perfection. Je désire d'aller vers l'excellence. Je désire de quitter la médiocrité. Je désire de quitter la paresse. Je désire d'aller vers la perfection. De changer les conditions de vie. L'amélioration de la condition de vie, de chercher l'avancement, de chercher le développement, de travailler à la salut, Pour le bien, et la gloire sera.
bâton. Regarde pas la malédiction. Mais regarde pas Fibonacci. Mais dans votre famille. Mais les nébés Fibonacci. Les gens sont maudits. On peut finir. Non. Ah, oh. Ça peut être vrai. Attenez à tes bâtons. Bon, à Oya. Autant à Tovovo. Ton cas sera différent. Ton cas sera différent. À Tovovo. Tout le monde peut être maudit. On te profite de mes amis. Mais toi, enfant de Dieu. Oh, Maouya. Je dis partout la malédiction. Mais les abonnés les Fibonacci. Je chante ton histoire. Maoutro, on dit. Je chante ton histoire. Maoule, on dit. Et lorsque ton histoire sera changée. Tu as retourné à trois. Changer les gens de ta famille. Trois, mais le premier n'est pas tout. Non, de Jésus-Christ. Veillez sous point comme. Rien n'est tard. Non, les copains t'ont d'abeille. Tant que tu vis. N'est pas tard avec Kora. Tu as dit le coup. Moi, papa, Lina. Il n'est pas trop tard. Pas d'avec moi. Je n'ai jamais en retard. Mahomet, tiens avec moi. Maintenant même. Fifi, aujourd'hui même. Et payé qui est. T'as le même. Fifi, tout de suite même. Fifi, tiens. Je peux faire quelque chose. Mahomet, on a des Jésus-Christ. N'est quoi qui sait. Tant que vous demeurez dans cette grâce, c'est que tout est possible. Croyez en Dieu. Croyez en sa parole. Croyez en ses œuvres. Dieu vous aime. Nous vous aimons aussi. Mais c'est lui qui nous aime. Que Dieu bénisse ce chien de bénédiction. Que bénisse son personnel. De même que le corps divin. Si Dieu le veut, demande de moi. Reviendra encore vers dans le même programme. Soyez bénis. La lutte continue. La victoire. C'est pour les absents. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye.